Torino, victoire à Senet, 2 buts d'écart. Salut à toutes et à tous, nous voilà en direct du temple du football argentin, la Bombonera évidemment à Buenos Aires. Que vous soyez à Buenos Aires ou à ici les Moulineaux, non, la team Dada ne vous juge pas, il est heureuse de vous accueillir. Et si l'on en croit la feuille de match, on va avoir droit à un sacré spectacle. L'Argentine affronte la France. Quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain. J'espère que vous avez vos lunettes de soleil parce que ça va briller. L'arbitre siffle la faute, ça donne donc un coup franc. Avertissement sans frais pour l'instant, pas de carton. Très bien, elle fait de la prévention. La répression, ça sera pour plus tard. Voici le 11 qui va débuter pour l'Argentine. Dans le but, on retrouve Emiliano Martinez, Nicolas Otamendi avec Cristiano Romero au centre de la défense. Angel Di Maria sera associé à Lionel Messi sur les ailes. Et enfin, en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Là, le ballon sort, c'est donc un corner pour l'Argentine. Sans problème dans les bras du gardien. Les titulaires côté français, les voilà. Dans le but, c'est Mike Maignan. Kingsley Coman sera avec Kylian Mbappé sur les ailes. Et enfin, en pointe, Olivier Giroud. Messi. Ouais, Lionel Messi qui avance. Messi la frappe. Et ballon rendu. Attention, ce n'est pas fini. Konaté qui renvoie ce ballon. Ah oui, quelle occasion et quelle parade! Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Giroud. Oui, sans commettre de faute. Léo Messi. Et ça joue avec Messi. Il faut centrer là-dessus. Léo Messi revient vers l'intérieur. Le premier but du match. La domination récompensée. Voilà le premier but mérité. On revoit ce petit festival au milieu de la défense. Et puis on peut admirer tout particulièrement ses qualités à la finition de l'action. Après un tel sprint, ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Oh, il s'est bien servi. Oh, la super intervention et donc ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça dans un duel. Tout se joue dans la tête. Le corner. Et ce corner est renvoyé par la défense.
Rabiot. Et le ballon est finalement intercepté. Olivier Giroud. Il faut bien négocier ce ballon là. Ah, c'est incroyable, le plus dur était fait, mais le ballon passe loin des buts. Loin contre un était pourtant bien joué, mais ensuite incroyable. Ah, malheureusement, la possession est perdue. Le ballon pour Kylian Mbappé. Olivier Giroud. Oh, c'est contré! Et ballon en profondeur. Et il s'empare du ballon. Et but, ça y est, c'est réussi, le doublé. Sa forme est éblouissante, son efficacité insolente. Deux buts marqués et ce n'est pas fini. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. Et ce ballon qui leur échappe. Messi la frappe. Et le gardien était bien vigilant. Dans la surface. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Évidemment, l'arbitre intervient et siffle le coup franc. Bonne progression dans le camp adverse. Ah, il prend sa chance de loin et ça finit sans trop de difficultés pour le gardien. Possédé du ballon. Excellente intervention, ça sort en touche. Fernandez. Il dépose l'adversaire là. Le ballon. Là aussi, sans aucune difficulté pour le gardien. Ah oui, excellent ballon. Ah dommage, parce que ce ballon-là est gâché. C'est une occasion en or et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand-chose à faire là-dessus. Bonne intervention, le ballon est gagné. Il y a des possibilités pour Griezmann. Rodrigo De Paul. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Rodrigo De Paul, il peut frapper. Et le gardien s'emploie bien. Et voilà, le changement s'effectue. La défense éloigne le danger sur ce corner. Bon positionnement, le ballon est récupéré dans le camp adverse. Ouais, le pressing est efficace là. Ouais, ballon pour une frappe. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. Et le remplacement peut avoir lieu. Ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. Il faut qu'il prenne sa chance là.
Et pressing sur la relance. Et une bonne contre-attaque peut-être. La passe vers Rabiot. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Ah, le contre était bien parti mais ne donne rien. Ah, le ballon intéressant. Ah, le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Ah, du soutien là pour attaquer. Voilà une bonne défense. Et bien fait, attention à l'occasion. Et c'est encore dangereux. Et oui, c'est dedans. Bientôt la fin de ce match. Mais encore des buts. Troisième but d'avance. Quelle démonstration. La situation était très intéressante à 2 contre 1. Regardez, on fixe et après, quand tu le gères bien... C'est terminé, l'arbitre qui met un point final à cette rencontre avec une victoire de l'Argentine.